avait écrit un jour aux chrétiens de Rome. Et ce matin, ce n'est pas aux chrétiens de Rome que ces paroles sont destinées, mais ces paroles sont destinées pour toi et pour moi, pour les enfants de Dieu à Ville-Châtillon. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cette parole? Nous allons partager la parole de Dieu, c'est dans le livre des Romains. Le thème de ce message, c'est qui nous séparera de l'amour de Christ. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et nous lisons Romains 8, 35 à 39. Si quelqu'un a dit, il peut me prêter sa voix. Si quelqu'un est prêt, il peut me prêter sa voix pour lire Romains 8, 35 à 39. Romains chapitre 8, versets 35 à 39, nous lisons la parole de l'Éternel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salue un peu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une question que Paul a posée. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Mais bien aimé, le thème concernant l'amour de Christ, c'est tellement large, c'est tellement profond, c'est tellement haut, on ne peut pas le définir. Parce que comme nous sommes là, nous sommes environnés par cet amour. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est à cause de cet amour. Même les mondes que nous voyons, ils tiennent debout par l'amour de Dieu. Et Paul, quand il parle de l'amour de Christ, il sait de quoi il parle. Ça devrait être un moment où il était en train de méditer. Alléluia. Parce que ce genre de questions ne peut pas sortir seulement au hasard comme ça. C'est quelqu'un qui a vécu Christ dans sa chair. Et il devait être en train de penser de cet amour. Il devait être en train de se rappeler des choses concernant sa vie, concernant ce qu'il a vu par rapport à cet amour. Cet amour pour Paul était quelque chose de grand, quelque chose de profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas définir, quelque chose qui l'a dépassé, quelque chose qui l'a émerveillé, quelque chose qui l'a étonné, quelque chose qu'il ne pouvait comparer à aucune autre chose. Alléluia. Donc, il va se mettre en train de méditer. Qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour? Donc, il a regardé par rapport aux choses qu'il a vécues, par rapport aux choses qu'il a vues dans sa vie, par rapport aux choses qu'il a remarquées. Il a compris que l'amour de Christ, c'est quelque chose. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Paul était quelqu'un avant qui s'appelait Saul. C'est l'histoire que nous connaissons. Ce matin, il n'y a rien de nouveau que je vais te parler que toi tu ne connais pas. Mais c'est quelque chose que tu as toujours écouté. Comme ce que Pierre, il avait dit un jour aux chrétiens d'Asie mineure, quand il l'écrivait pour les réconforter, il leur avait dit que ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Parce que vous demeurez dans la vérité. Mais si je le fais, c'est pour vous conforter, c'est pour vous réconforter, c'est pour vous donner l'assurance, c'est pour vous aider à comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester en éveil. Alléluia. Donc ce matin, ne t'attends pas à quelque
quelque chose que tu n'as jamais écouté. Alléluia. Ici, Paul, il était entré dans sa vie avant de rencontrer cet amour dont il était devenu l'ambassadeur. Avant de rencontrer cet amour, c'était quelqu'un qui faisait un travail vil. La parole de Dieu nous dit que Paul, son travail, il n'allait pas à l'entreprise comme nous nous réveillons nous le matin et allait travailler. Il était zélé pour détruire l'œuvre de Dieu. Il était zélé pour détruire la foi chrétienne. Il était zélé pour prendre en embuscade tout ce qui priait, tout ce qui avait la foi en Jésus. Quand il voyait les gens qui adorent le Seigneur, les gens qui aiment Dieu, ça l'énervait. Comme aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont comme ça. Paul, c'était ça son travail. Et il demandait l'autorisation. Il recevait l'autorisation des autorités religieuses de cette époque pour qu'il aille détruire la foi. Il enchaînait les hommes et les femmes. Il les emprisonnait. C'était ça sa joie. Mais un jour, la parole de Dieu nous dit, quand il était sur le chemin de Damas, c'était son chemin de tous les jours. Il passait par là pour aller détruire, pour aller semer la panique, la zizanie dans l'œuvre de Dieu. Il se pourrait comme ce matin, si à cette époque il était là, il pouvait surgir comme il avait toutes les autorisations possibles. Il pouvait surgir ici et il prend tout le monde et l'enchaîne et il tape et il l'amène en prison et il était content de faire ça. Mais un jour sur son chemin, la parole de Dieu nous dit qu'il va rencontrer quelqu'un qui est très spécial. Il va rencontrer quelqu'un qui va bouleverser sa vie. Et cette personne-là, c'est la personne de Christ. La Bible nous dit que les jours-là, si c'était un matin, un soir, je ne sais pas, il marchait avec la joie de ce qu'il va faire encore cette journée-là. Mais le Seigneur, qui est le Dieu qui voit toutes choses, il s'était décidé cette journée-là de rencontrer Paul. Et la parole nous décrit le scène. C'était un scène digne de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que l'autorité qu'il avait lui donnait aussi les scènes, la puissance. Mais il avait rencontré celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit qu'il va voir une lumière. Une lumière qu'il n'a jamais vue depuis qu'il est né. Cette lumière l'a tellement ébloui qu'il était tombé par terre et il était devenu directement aveugle. La Bible nous parle que, à ce moment-là, il a commencé à tâtonner. L'homme qui était fort, qui était intelligent, qui avait étudié dans les grandes écoles religieuses, qui connaissait toute la Torah, était dans sa tête, mais qui l'utilisait d'une mauvaise manière. Il était maintenant par terre. Il était en train de tâtonner. Il ne savait pas le chemin. Le chemin de Damas, il ne connaissait pas, il ne connaissait plus ce chemin. Et les gens qui étaient avec lui, ils ne pouvaient rien comprendre. Comment il se retrouve par terre? Et ces gens-là écoutaient la voix. Ils attendaient la voix. Et Paul attendait cette voix résonner. Cette voix résonnait dans son cœur. Il n'a jamais écouté cette voix. Mais il va dire, Seigneur, qui es-tu? Parce qu'il a compris que cette voix ne devait être que la voix du Seigneur. Et cette voix a commencé à détruire tout ce qui était en lui. Parce que déjà là, par terre, il ne pouvait rien faire. Mais regardons un peu l'amour de Christ. C'est pourquoi quand nous voyons Paul parler de l'amour de Christ, c'est quelque chose qu'il a vécu vraiment dans sa chair. Là où il était par terre, là où il était maintenant devenu faible, amoindri, aveugle, le Seigneur pouvait le laisser là. Si toi et moi nous étions Dieu, nous pouvons le laisser là parce que c'était justice qui était faite. Parce que cet homme, il était coupable. Parce que cet homme, il faisait des choses qui n'étaient pas bonnes devant le Seigneur. Mais à ce moment-là, le Seigneur voyait en Paul un homme, un serviteur. Le Seigneur regardait en Paul quelqu'un qui va être transformé pour la croix.
du royaume du ciel. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber. Alléluia. C'est que nous devons apprendre ce matin que le Seigneur ne peut jamais nous laisser tomber. L'amour de Christ ne peut jamais laisser tomber personne. Quel que soit l'état dans lequel tu es, l'amour de Christ ne peut jamais te laisser tomber. Des fois, nous avons l'impression que nous sommes laissés par le Seigneur. Mais cet amour, elle est tellement profonde que le Seigneur ne peut pas nous laisser tomber. Parce qu'à partir du moment où le ciel était ouvert et que Jésus était descendu, à partir de ce jour-là, le ciel était resté ouvert pour Tifon, pour nous. 24 heures sur 24 heures, le ciel était devenu favorable pour nous. Donc quand nous nous retrouvons dans des moments de faiblesse, le Seigneur ne prend pas plaisir. Mais le Seigneur prend plaisir quand une âme est épanouie, quand une âme est dans la joie, quand une âme est en train de suivre les chemins que lui-même il avait tracés. Paul, Saul à l'époque, il suivait les chemins de la mort. Mais quand cet amour l'a trouvé, Dieu devait faire quelque chose à cet endroit-là pour que le pied de cet homme puisse quitter le chemin de la mort pour aller emprunter le chemin de la vie éternelle. Et le travail a commencé à être fait à partir de là où il était par terre. Comme tu peux te retrouver aussi par terre aujourd'hui, à cause d'une situation donnée, mais le Seigneur ne peut pas te laisser par terre. Même là où tu es et tu te vois que tu es par terre, la main de Dieu est en train de faire. À ce moment-là, Paul ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait devenir demain. La main de l'Éternel, la main de Christ qu'il avait rencontré, commençait à faire des choses dans sa vie, commençait à aplanir les choses pour que ses pieds, les deux pieds, puissent emprunter les chemins de la vie, les chemins de la réussite. Et nous allons voir que, à ce moment-là, quand nous lisons Actes, c'est Actes 22, 10, le Seigneur va nous dire: lève-toi, va à Damas. Et là, on te dira ce que tu dois faire. Mais je méditais cette parole. Je me disais, mais le Seigneur lui demande de s'élever et d'aller à Damas. Mais il est déjà avec. Le Seigneur voyait l'aboutissement. Le Seigneur voyait la fin. Cet homme va être conduit maintenant jusqu'à Damas. Et là, la Bible nous dit que pendant 3 jours, la nuit et le jour, il ne mangeait pas, il était dans un jeûne forcé. Il n'avait pas demandé ce jeûne. 3 jours dans les mois, étant en veille. Et à ce moment-là, le Seigneur était en train de transformer sa vie. Le 3e jour, le Seigneur va lui amener son serviteur, Ananias, il va prier pour sa vie. Et depuis cette journée-là, la vie de cet homme n'a jamais été pareil. Il va maintenant vivre en vrai cet amour du Seigneur. Il va maintenant vivre en vrai la grandeur de ce Christ qu'il s'était opposé avant. Et avec le temps, nous allons voir que Paul, maintenant devenu Paul, il va tellement parler de cet amour. Il va tellement écrire de cet amour. Il va tellement exhorter concernant cet amour. Il va tellement exhorter, fortifier, donner la parole d'assurance aux hommes qui étaient dans la tristesse, dans les épreuves, parce qu'il avait vécu quelque chose de précieux, de grand. Et ce que nous maintenant ici, il écrit aux Romains. Il a écrit, c'était comme une forme de question. Après avoir analysé tous les bienfaits du Seigneur dans sa vie, parce que nous devons comprendre que Paul, il n'a pas seulement vécu des bonnes choses sur le chemin, le nouveau chemin que le Seigneur lui a, sur lequel il y a mis. Il a vécu aussi des épreuves.
ne l'a jamais abandonné. Et quand il écrit ces paroles, quand nous lisons ces paroles, nous allons voir que ce sont des paroles qui sortent avec une telle intensité, une telle assurance, une telle force, une telle puissance. Qui pourra? Donc il met en défi toutes les choses qu'il avait citées ici. Qui pourra nous détacher? Qui pourra nous séparer de ces grands amours? Qui pourra nous mettre à l'écart de ces grands amours? C'était une question. En même temps, une parole de puissance qu'il avait adressée aux chrétiens à son temps. Et ce matin, ces paroles s'adressent à toi et moi. C'est une question que tu dois te poser. Je ne sais pas ta vie, c'est comment. C'est quoi tu vis, c'est quoi tu vois. Mais vois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est au-delà. Il est au-delà de ce que nous pouvons voir. Il est au-delà de ce que nous pouvons vivre. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons, ce sont des petites choses, des petites miettes, des petits problèmes par rapport à la grandeur de cet amour. Quand l'homme, comme Paul, pouvait comparer cet amour, il dit, est-ce que la mort, parce que nous tous savons que la mort, c'est ça la fin. C'est ça la fin de toutes choses. Quand la mort arrive, tout est neutralisé, tout est par terre. Rien d'espoir. Mais il met en défi cet amour par rapport à la mort. Il dit, même la mort, même les problèmes, même les choses qui sont dans les profondeurs, même les choses qui sont dans les hauteurs, même les choses qui sont je ne sais pas où, est-ce qu'ils sont la puissance comme la puissance de cet amour-là? Et là, il était en train de communiquer quelque chose. Parce que beaucoup de fois, nous voyons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le ciel. Et c'est Paul qui dit ces paroles-là. C'est avec beaucoup de tribulations. Et quand les tribulations arrivent dans nos vies, la plupart des fois, nous avons le réflexe qui vient, c'est de nous décourager, de nous dire, mais Dieu, est-ce qu'il est Dieu? Dieu, est-ce qu'il est celui dont nous lisons dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il est celui qui fait toujours? Est-ce qu'il est celui qui peut toujours? Est-ce qu'il est celui qui se fait toujours voir, comme nous lisons dans la parole de Dieu? Les épreuves, les choses que Paul, il a commencé à mettre en défi par rapport à ce qui peut se passer. Et lorsque on est dans cet état, on oublie tout de ce qu'on sait de Dieu. On oublie tout de ce qu'on connaît de la parole. Parce que nous sommes tellement submergés. Mais nous voyons que quand nous nous mettons à méditer, parce que cette méditation nous donne une telle puissance que nous voyons des choses que nous voyons qui étaient en grand. Nous ne voyons que ces choses deviennent tout petites. Quand nous commençons à nous mettre à méditer, à revoir, à tourner dans tous les sens concernant l'amour de Dieu dans nos vies, nous commençons à ce moment-là à voir que les choses que nous vivons ne sont pas aussi terribles que ça. Alléluia. Parce que quand nous nous réveillons le matin et que nous voyons que le Seigneur il s'occupe tellement de nous, il ne nous laisse pas dans le noir. Après la nuit, il y a toujours le soleil qui s'élève. Il y a toujours l'espoir qui est là. Et chaque soir, il amène le noir pour que les hommes se reposent. Donc, il reste fidèle dans cet amour-là. Quand nous commençons à méditer, nous allons voir que les choses ne sont plus comme nous le voyons. Mais cette méditation, ce n'est pas aussi facile que nous pouvons le dire. C'est pourquoi la parole de Dieu est en train de nous appeler à être à l'éveil. Quand nous commençons à voir que les choses commencent à nous engloutir, c'est vraiment un temps très difficile. Parce que nous pouvons sentir même l'oppression. Tu sens l'oppression. Tu sens que tu es oppressé. Tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu ne peux plus. Tu sens que tu es étouffé. Et la parole de Dieu
Seigneur l'avait abandonné. Paul ici dit, qui pourra nous séparer? Qui pourra nous éloigner de cet amour? Parce qu'à chaque fois, cet amour nous vient à l'aide. À chaque fois, Christ, il est là. À chaque moment, Christ, il est là. À chaque instant, même quand les gens ne nous voient pas, Christ, il est là, il nous voit. Et nous voyons, dans la parole de Dieu, quand nous lisons concernant ce qui s'était passé dans la vie de Marie et de Marthe, nous allons voir que, c'est vrai, suivre le Seigneur, c'est très bien. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de meilleur. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit à Marie que toi, tu avais choisi la bonne part. Cette part ne te sera jamais enlevée. Mais cette part ne te sera jamais enlevée si toi tu veilles. Parce que la part en question, elle est tellement combattue par l'ennemi. Cette part que tu as mise dans le Seigneur, dans l'amour du Seigneur, cette part, elle est tellement combattue de façon que tu puisses aller loin de la voie que le Seigneur avait tracée pour toi. Nous voyons que Marie et Marthe et Lazare, leur frère, c'était des personnes qui aimaient Jésus comme toi et moi. Et chaque fois Jésus venait dans leur maison pour partager et ils préparaient pour le Seigneur. Ils aimaient tellement ce Dieu. Et ils avaient reconnu que Jésus était le Christ au moment où beaucoup de personnes l'ont renié. Mais eux, ils ont reconnu que Yeshua était celui qui devait venir. Et quand ils reconnaissent que Yeshua, il est Seigneur et il est celui qui devrait venir, à ce moment-là, c'est le ciel qui s'engage dans tes histoires, dans tes affaires. Et un jour, nous lisons la parole de Dieu. Nous voyons que la famille qui aimait Jésus, cette famille qui accueillait Jésus, cette famille qui donnait à manger à Jésus, mais un jour, quelque chose de grave va se passer dans leur vie. La mort va frapper dans cette famille. Et les deux sœurs, elles étaient tellement amoindries. Elles étaient tellement dans la douleur. Elles étaient tellement sans force. Et ils s'étaient dit, mais le Seigneur qui venait manger chez nous, mais nous l'avons appelé. Mais nous l'avons cherché. Mais nous l'avons prié. Mais nous avons envoyé le message. Mais le Seigneur était resté muet. Le Seigneur était resté insensible. C'est de cette façon-là que nous aussi nous raisonnons. Quand nous traversons les moments très difficiles, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer même à chercher là où tu ne pouvais pas chercher. Je me rappelle, moi, quand je n'avais pas de papier, c'était un moment que je ne peux jamais oublier. J'ai passé des moments tellement noirs, tellement difficiles. Chaque jour, dans ma tête, il n'y avait que ça. Mais j'essayais de m'accrocher, Je m'accrochais seulement au Seigneur. Mais l'homme est l'homme. Il y a des nuits que j'ai passées en train de... Ça tournait en boucle, comme les infos de BFM TV. Ça tournait en boucle, les mêmes choses, et la tête qui compte. Mais à ce moment-là, tu te dis, mais Dieu, il est où? Le Dieu que je sers, mais il est où? Mais est-ce que Dieu, il est réellement Dieu? Est-ce que Dieu, il est seul, il est celui vraiment qui écoute? Tu te poses cette question. Et je me posais cette question. Et des fois, pour vous dire, j'allais même chercher très loin. J'allais même ressusciter les péchés que j'avais déjà, pour lesquels j'avais déjà demandé pardon. Je me disais, peut-être c'est pour le péché. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais je sers le Seigneur. Pourquoi? Mais pourquoi il y a beaucoup de pourquoi tellement que ça remplit toute la tête? Pourquoi? Et il n'y a même pas de réponse. Et là, je cherchais même le péché. Je commençais même à aller déterrer les péchés là où ils étaient déjà oubliés. Le Seigneur les avait déjà oubliés, mais moi je les déterrais. Parce que je voulais que le Seigneur agisse. Mais ce que nous oublions, mais cette famille, c'était une famille qui aimait le Seigneur. C'était une famille qui servait le Seigneur. Mais ils devraient déjà aussi passer à une autre étape. Le Seigneur devait les réconforter. Le
Alléluia. Parce que les filles, les personnes qui suivent le Seigneur, à un certain moment, il faut que la gloire éclate. Alléluia. Rien à faire. Il faut qu'un moment, moi que tu ne sers pas le Seigneur, il faut qu'un moment la gloire éclate. Alors ce fut le moment où la gloire devait éclater dans cette famille. Mais la gloire va s'éclater d'une manière, de la manière de Dieu, pas de la manière des hommes. Alléluia. Parce que quand il faut qu'il y ait la vie, mais d'abord, selon le principe de Dieu, il faut qu'il y ait d'abord la mort. C'est compliqué. Alléluia. Quand il faut qu'il y ait la vie, mais la mort doit déjà être là. Alléluia. Et même Jésus, quand il parle de ça, il dit que une crème ne peut pas être fructifiée s'il reste seul. Mais il faut qu'il meure. La famille là devrait vivre quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Et la mort, quand elle était arrivée, elle les avait laissés perplexes. Je me mets dans la peau de cette femme qui était tout le temps, on parle des pieds de Jésus. Elle était tout le temps aux pieds de Yeshua. Mais comment Yeshua ne pouvait pas écouter la voix de cette femme? Mais comment Yeshua ne pouvait pas écouter les cris de cette famille? Mais Yeshua écoutait, alléluia. Yeshua écoutait. Et de là où il était avec ses disciples, il était au courant de toute la situation. C'est pourquoi il va dire à ses disciples que nous allons partir. Parce que Lazare, il dort. Alléluia. Il dort. Les choses que tu vois qui ne vont pas, ils sont en train seulement de dormir. Alléluia. Ils sont seulement en train de dormir dans ta vie. Parce que le temps de la gloire doit arriver. Et le temps de la gloire, c'est le temps de Dieu. Personne ne peut presser ses temps. Personne ne peut aller au-delà de ses temps. Personne ne peut aller en dessous de ses temps. C'est le temps que Dieu a la maîtrise. Il a la main sur ses temps. Et la parole de Dieu nous dit que Marie, elle était assise à la maison. Cette position assise, elle était assise dans la douleur. Elle était assise dans les chagrins. Elle était assise. Les gens venaient la consoler de partout. Les juifs, les amis étaient venus, mais elle était assise. Elle ruminait sa défaite. Elle ruminait son échec, sa déception de la foi chrétienne, comme beaucoup sont en train de le ruminer. Ils croient que la vie chrétienne, c'est une vie des échecs. Ils croient que la vie chrétienne, c'est une vie que de difficultés, des problèmes. J'ai parlé ce matin avec mon pasteur Geneviève. La vie chrétienne, elle est aussi semée de choix. Elle est aussi semée de victoires. Elle est aussi semée de célébrations que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette famille ne savait pas la transition par laquelle elle était en train de passer. C'était quelque chose de grand qui allait envoyer l'écho au travers du monde. Et aujourd'hui, cet écho nous parvient. L'écho de leur visitation. Alléluia. Amen. Elle était assise et personne ne pouvait la consoler. Mais j'étais en train de méditer cette parole. Quelque chose s'était passé qui m'avait étonné. Alors qu'elle était assise là, dans le désespoir le plus noir, le plus total. Parce que quand quelqu'un il meurt, peut-être quand il était encore là, on le voyait, les gens, comme on a l'habitude de le faire chez nous, les Africains, on met les corps là-bas et les gens sont en train d'être. Il y avait un tout petit peu d'espoir que peut-être le Seigneur peut surgir ici. Il avait ouvert les yeux de quelqu'un qui était avec. Peut-être ça peut toujours changer. Il y avait un tout petit peu d'espoir. Mais la personne, on va l'enterrer. Pas seulement une journée, deux, trois, quatre. Mais elle était vraiment assise. Mais elle était vraiment désespérée. Il n'y avait rien. Même si le Seigneur venait, il savait que non, c'était plus la peine. Quelque chose va se passer. Jésus-Christ, maintenant, il va arriver. Quand il va arriver, la nouvelle va aller. La Bible
personne n'avait pas écouté le message de Marthe. La Bible nous dit qu'elle va se pencher vers sa sœur. Il va nous dire un mot sur lequel j'ai médité toute la nuit. Il va nous dire, Marie, le maître te demande. Mais, si moi j'étais Marie, je pouvais me dire, mais le maître, il me demande pourquoi. Pourquoi il me demande? N'est-ce pas la réaction la plus logique? Mais pourquoi il me demande? J'étais là, mon frère il était malade, j'ai pris, j'envoie le message. Silence radio, il ne vient pas. Le frère, il est mort, est allé là-bas, l'espoir qu'il peut venir et met la main ressuscitée. Il ne vient pas. Le frère était enterré 3-4 jours, il m'appelle, mais pourquoi? Alléluia. Saluons la gloire de Dieu. Mais bien aimé, des fois les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer, c'est très difficile. C'est très compliqué de cerner les choses d'emblée comme ça. C'est pourquoi il nous est demandé, mes bien-aimés, de nous accrocher à la foi. Parce que la parole de Dieu que nous lisons aujourd'hui, les choses que nous prêchons aujourd'hui, les personnes dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont rencontré des choses très dures, mais qui se sont vraiment accrochées. Alors, vraiment accrochées. Mais cette personne, cette femme, si c'était moi la première réaction, et ça je vous dis dans toute la vérité, nous sommes devant Dieu, je n'allais pas me lever. J'allais dire, ce Seigneur-là, il venait tout le temps chez moi et j'ai préparé la nourriture, il mangeait. J'étais dans la difficulté, je l'appelle, il ne vient pas. Maintenant là, je suis assise avec les personnes qui m'aiment, qui sont venues me consoler. Maintenant, il vient, il me demande, mais pourquoi? Pourquoi il me demande? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Oh mes bien-aimés, quand nous croyons que c'est trop tard, mais c'est là que les choses commencent. Quand nous pensons qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien à faire, mais c'est là le début des choses graves, des choses grandes, des choses puissantes. Et la femme, ah, j'ai été bénie. Quand j'ai médité cette parole me parlait à l'autre manière que vous ne pouvez pas comprendre. Je vais prêcher moi-même. Alléluia. La femme, quand elle a écouté cette petite voix, mes bien-aimés, elle était entourée par des milliers de juifs qui étaient venus. Parce que c'était une famille connue. Je crois même que c'était une famille riche. Elle était entourée par des milliers de personnes. Mais cette voix, c'était adressée qu'à elle. C'était elle qui avait écouté cette voix. Cette voix était inaudible devant la masse qui était là. Mais elle, elle avait écouté cette voix. La question maintenant est de savoir. Parce que cette voix, on l'attend toujours. Mais quand on est submergé par nos problèmes, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ce matin, nous met en éveil. Que nous puissions être en éveil, quel que soit. C'est ce qu'on prêche toujours ici. Alléluia. Que nous soyons des. Toujours en éveil. Parce que nous ne savons pas les moments que les choses peuvent éclater. Parce qu'à tout moment, ça peut, je voulais dire barder, mais ce n'est pas barder. À tout moment, ça peut changer. Alléluia. Ce n'est pas de temps en temps. Comme c'était, ce fut à l'époque de la piscine de Bethesda. À cette époque-là, c'était de temps en temps. La parole de Dieu nous dit, c'était de temps en temps. C'était de temps en temps aussi que les gens vivaient des miracles. C'était de temps en temps que les choses, que les personnes recevaient leur visitation. Mais notre temps, mes bien-aimés, ce n'est pas de temps en temps. Je viens de vous dire que à partir du moment où Yeshua était descendu, était tombé dans le ventre d'une vierge, oh, les ciels étaient restés ouverts 24 heures sur 24 heures.
Je crois que c'était dans Jean 15, 9, si je ne me trompe pas. Il va parler à ses disciples. Il va leur dire, parmi les choses qu'il leur avait dit, il va leur dire, demeurez dans mon amour. Alléluia. Demeurez dans mon amour. Quand nous voyons le verbe demeurer, ce n'est pas un verbe qui s'emploie quand c'est des choses de temps en temps. Non. Demeurer, ça veut dire tu es assis. Je demeure à Évry. C'est-à-dire que je vis à Évry. Si tu viens le matin ou la nuit, tu vas me trouver là à Évry. C'est là où je demeure. Le Seigneur va dire à ses disciples, demeurez dans mon amour. Le Seigneur savait qu'en dehors de cet amour-là, si tu n'es pas dans les sphères où règne cet amour-là, à tout moment aussi, les mauvaises choses peuvent se passer dans ta vie. Quand tu es dans les sphères où règne cet amour, à tout moment, les bonnes choses peuvent arriver. Alléluia. De cette femme, Marie, le maître te demande. Et là, j'ai pensé au pasteur Geneviève, quand il parlait le jour le plus pressé et concernant les maîtres, cela veut dire c'est lui qui a toutes les solutions. Alléluia. Donc, cette fois, retentissez dans l'oreille de cette femme, lui disant Marie, la solution. Te demande. Marie, les miracles te demandent. Marie, la consolation est en train de t'appeler. Marie, la joie est à la porte parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était en dehors du village. Marie, la joie est en train d'arriver. La joie t'appelle. Est-ce que nous écoutons cette voix? Mais bien aimé, quand nous sommes tellement submergés par nos choses là, cette voix devient tellement nulle, on ne l'attend pas. C'est en boucle qu'on entend nos choses. Nos problèmes tournent en boucle, 24 sur 24, même fait devient dans nos têtes. Ça parle, ça parle, ça parle. Et cette fois, quand elle est retentie, elle trouve tellement de bruit. C'est ça la voix qui s'appelle. Les enfants, la sérénité. Alléluia. Marie, le maître des demandes. Quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans la vie de cette femme. La parole de Dieu nous dit, elle était assise là dans ses douleurs, dans ses tout, des déceptions. Mais c'était quelqu'un, quelque part, la parole de Dieu témoigne qu'en elle, il y avait une bonne part. Cette bonne part devait faire son œuvre. La bonne part était réellement la bonne part. Alléluia. Donc, comme il y avait la bonne part dans sa vie, cette bonne part devait l'amener à quelque chose de puissant. Cette bonne part que tu as dans ta vie, si tu la gardes et si tu ne laisses pas les choses tourner en boucle, en fait, tant de bruit pour étouffer cette voix va t'amener à quelque chose de puissant. Et Marie, la parole de Dieu nous dit, quand elle a écouté, le maître te cherche. La parole de Dieu nous dit que cette femme s'est levée avec une vitesse. Elle s'est levée pour témoin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire cette parole. C'est dans Jean, chapitre 11.
11, 28 à 33, je crois, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 11, versets 28 à 33, nous lisons la parole de l'Éternel. Et ainsi parlait, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison, et ils la consolaient. L'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivèrent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand toi, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a écouté que c'était le maître qui le demandait, la parole de Dieu nous dit qu'elle s'était levée promptement, qu'elle s'était levée avec une vitesse, qu'elle s'était levée avec une précipitation. Alléluia. Cet état de choses exprime quelque chose. Alléluia. Exprime son état intérieur. Bien qu'elle était assise dans la douleur, mais quelque part elle était accrochée toujours à son maître. Bien qu'elle était assise dans la douleur, dans le manque, dans les épreuves, le fil n'était pas coupé. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, le fil là est déjà coupé. Et quand le fil là est déjà coupé, tu vas vraiment t'asseoir. Tu n'auras pas la force de te relever. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Non. Parce que Paul, bien qu'il avait fait, il avait fait des mauvaises choses quand il s'était retrouvé par terre. Christ l'a dit, lève-toi. Vas-y, tu dois poursuivre ton chemin. Dis-toi, vivre ce que moi j'ai prévu de vivre pour toi. Marie, elle s'est levée tellement avec une vitesse. Que la parole de Dieu nous dit, elle a déraciné, elle a enlevé, elle a amené toute une foule avec elle. Alléluia. Lorsqu'elle s'était levée, chaque pas qu'elle faisait, c'était en courant. Cette pas l'approchait à la gloire de Dieu. Avec cet empressement, avec cette vitesse. Ça n'est pas ce matin. Mon frère, le maître te cherche. Mais tu vas me dire, mais il me cherche. Mais il ne voit pas que je suis fatigué. Mais il ne voit pas que je suis toujours des échecs. Mais il ne voit pas que je reste toujours dans la stérilité. Il me cherche. Le maître te cherche. Alléluia. Il te cherche dans sa maison. Il te cherche dans son œuvre. Et ça, ça va vraiment beaucoup parler. Mais le maître me cherche. Mais il ne voit pas que je suis en train de pleurer. Marie était en train de pleurer. Le frère, 4 jours, déjà pourri. Mais Marie, le maître me cherche. Et chaque pas qu'elle faisait, l'approchait à la résurrection. Chaque pas qu'elle faisait, l'approchait à la gloire de Dieu. Chaque pas qu'elle faisait, parce que la Bible nous dit que ces Juifs qui étaient là ne croyaient pas que Jésus était le Christ, c'est lui qui devrait venir. Ils étaient dans la parole de Dieu, ils connaissaient la Torah par cœur, mais ils n'avaient pas cette connaissance
Alléluia. Qu'est-ce qui peut me séparer de cet amour? Que tu sois réconforté ce matin, ma bien-aimée. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Moi, j'ai regardé. Et des fois, je m'affaiblissais. Mais ce matin, ne regarde pas. Mais écoute cette voix qui te parle. Lève-toi. Lève-toi. Chaque pas que tu fais ici, que ce soit à la modération, que ce soit là où tu es pour accueillir les gens, le pas que tu fais chaque matin, tu prends une soeur, tu vas, tu la fais asseoir, tu prends le frère, tu la fais asseoir. Toutes ces pas-là sont comptabilisées. Et toutes ces pas-là, ta mère est directement, ta mère est vraiment dans la gloire du Seigneur. Ta mère a parlé de ce que le Seigneur avait prévu que tu puisses parler. Et de savoir, mais c'est Marie, si il ne s'était pas levé. S'il avait seulement regardé ce qu'elle écrivait, est-ce qu'elle allait voir le Seigneur? Est-ce qu'elle allait voir son Lazare ressuscité? Tu as besoin que ton Lazare puisse ressusciter. Tu as quelque part ton Lazare qui est enterré, qui est au point mort, qui ne bouge pas dans ta vie. Tu as besoin de rencontrer celui qui est la résurrection. Parce qu'il va dire à Marie, mais ne sais-je pas dire. Je t'appelle à ressusciter. Quelque part, ce matin, le Seigneur t'appelle à faire ses pas. Même si ce sont les pas de douleur, la parole de Dieu nous parle de ces lépreux. Les quatre lépreux, je vais y arriver. Lépreux. Amen. Alléluia. Amen. Les quatre lépreux en Israël, quand Samarie était assiégée, personne ne bougeait. Les gens commençaient à se manger entre eux, tellement il y avait la faim. Mais les pas de lépreux, les pas de douleur, la parole de Dieu nous dit qu'il avait fait attendre le char des combats dans les camps de l'ennemi. Et l'ennemi était dispersé. Donc le pas que nous faisons tous les jours ici, mes bien-aimés, si dans le monde que nous sommes, il y a des comptables, comme mon frère là-bas, il est comptable. Mais Dieu est comptable de comptables. Donc rien n'échappe à sa porte de ta vie. Parce que les maris et les mères, elles avaient servi le Seigneur. Le Seigneur était content. Mais il devrait passer aussi à une autre étape supérieure. Alléluia. C'était ça la pensée de Dieu. Il ne devait pas rester là en train de préparer tous les jours. Mais il devrait voir la gloire. Ce n'est pas n'importe quoi de voir quelqu'un qui est mort 4 jours. Sauf comme ça, il te regarde, tu peux même fuir, mais c'est une gloire de vie. Mais c'est quelque chose qui te marque toute la vie. Mais c'est quelque chose qui est parlé même aujourd'hui. Si nous parlons de cette chose-là, mais parce qu'elle était tellement terrible, elle était tellement grande. Alléluia. C'est parce qu'avec les pas de douleur, cette femme, elle s'est élevée. Ne te laisse pas aller. C'est ça. L'exhortation de ce matin. Ne te laisse pas aller. Ne vois pas les choses comme on le voit. Et nous devons comprendre que les choses font encore en s'empirant. Ça ne va pas être facile ici. Il y a déjà 5 ans, 10 ans, c'était facile d'être dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ça devient encore très difficile. Donc, quelque part, il y a un effort à faire dans le vie. Il y a l'endurance, il y a la fermeté que nous devons avoir dans nos vies. Que tu ne te laisses pas te détacher de la source pour aller à des sources qui sont crevassées, comme c'est dit dans la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe. Esaïe parlait aux enfants d'Israël que vous abandonnez la source et vous allez vous-même vous chercher des sources, mais ces sources vont tarir. Mais restez dans la source. Il savait ce que cet amour l'a fait produire. Si tu es amoindri, cet amour va t'élargir. Si tu es faible, cet amour va finir par te fortifier. Si tu es humble, cet amour va finir par te multiplier. Alléluia.
Alléluia. Va promptement. Va avec vitesse, avec hâte. Et là, les choses vont commencer à se briser demain, quelle que soit la dureté. 4 jours pourris, mais les choses s'accélèrent et la vie renaît encore. Alléluia. Et là, nous devons avoir quelque chose sur laquelle nous accrocher. J'aime bien quand je lis la parole de Dieu dans les livres, ça doit être Jean. Quand on parle de cet homme-là, l'aveugle né, il était né aveugle. La parole de Dieu nous dit que Eva rencontrait cet amour, l'amour du Seigneur. Et les disciples, quand ils l'ont vu, ils ont posé la question au Seigneur, Seigneur, est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il avait fait, il avait péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus lui dit non, ce n'est pas l'histoire du péché, mais c'est l'histoire de la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Et lorsque l'homme-là va recevoir le miracle du Seigneur, la parole de Dieu vous dit que ce n'était pas facile. C'est pour vous dire aussi que tu peux être en train de pleurer et le Seigneur te visite, tu es dans la joie, mais le combat est toujours là. Dans ta joie, ce matin, je prêche pour te dire que dans la joie, comme dans la tristesse, demeure dans l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'on a aussi un autre côté des choses. On se donne à Dieu quand on est dans les problèmes. Mais les choses, quand ça commence à changer et on commence à se sentir à l'aise, on oublie. Ici, cet homme, elle était avec toute sa vie. Elle était née avec. Mais le Seigneur, par son amour, il va changer la situation de cet homme. L'homme, il voit, maintenant ça devient un problème. Les hommes religieux commencent à le menacer. Mais dis-nous, comment tu y arrives? Est-ce que moi je n'ai pas le droit de voir? Mais vous voyez. Pourquoi moi je ne dois pas voir? C'était tout un problème. Pour vous dire, même dans la bénédiction, Satan il est toujours là. Donc que nous puissions toujours demeurer dans cet amour. Mais l'homme là, quand il était menacé, on lui dit que tu dois renier ce Seigneur, tu dois renier ce Jésus, c'est un pécheur. Il dit, s'il est pécheur, moi je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. S'il est Belzéboul, ça c'est vous. Mais moi je sais, j'étais avec, mais aujourd'hui je vois. Ouais. Dis-moi un peu, même si toi, tu es quelqu'un qui sait vraiment décourager les gens, si tu tombes, c'est une personne comme ça. Mais toi-même, tu es découragé. Amen. Tu es découragé par ton propre découragement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et ce n'est pas n'importe quelle personne, ces gens-là, ce sont les grands religieux de cette époque. Ils étaient respectés, les gens se trouvaient devant eux. Quand ils te menacent, on te chasse de la synagogue. Donc là, on nous dit que on va te chasser de votre synagogue si tu dis que cette personne-là vient de Dieu. Il dit, mais j'étais dans les synagogues des années, j'étais avec. Donc si vous me chassez, peu m'importe. C'est que moi je sais. Je crois, c'est tout ce qui compte. Alléluia. Et elle était restée là ferme comme un bac de fer. Et les hommes qui étaient venus pour le décourager. La personne va commencer même à les prêcher. Ils vont leur dire que non, allez-y, toi, tu es né dans le péché, tu crois que tu peux me prêcher. Oui, j'ai rencontré celui qui m'a donné la vie. Aujourd'hui, je vois par moi-même. Je peux marcher par moi-même. Je peux voir, je peux contempler aussi les merveilles de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous fait mal là-dessus? Laissez-moi tranquille avec mon Christ. Ça, c'est ça la réponse de quelqu'un qui a choisi la bonne part. Elle ne se laisse pas affaiblir. Elle ne se laisse pas décourager par quoi que ce soit. Tu vas l'être balancé aussi à la figure. C'est Jésus-là. Elle a fait de moi. Même si aujourd'hui je suis dans des besoins, je sais qu'il est la source. Je suis dans la source. Et aussi longtemps que je suis dans la source, je vais finir un jour par puiser. Et je puiserai de là même. De ce que moi j'attends. Et de ce que moi j'attends. Donc, laissez-moi tranquille. Ne m'éloignez pas de la source, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si nous demeurons à Yeshua, nous avons tout à gagner.
La preuve est là, Lazare est là. Mon Lazare est là. Je ne peux pas me détacher de cet homme-là. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un vent qui souffle. Un vent qui souffle. Et les enfants de Dieu sont dans le perdement. Ça coule dans tous les sens. Demeurez dans l'amour du Seigneur. Ne vous laissez pas décourager. Ne comptez pas avec le temps. Le Seigneur ne compte pas comme on nous a toujours prêché ici. Le Seigneur ne compte pas comme nous comptons. Alléluia. Demeurons et restons dans les calculs de Dieu. Parce que ce sont les calculs de Dieu qui sont exacts. Dieu n'a pas de rêve dans ses calculs. Alléluia. Les calculs des hommes peuvent te dire, oh, tiens là, les calculs des hommes, c'est les calculs des hommes. Qui a créé les calculs? C'est lui-même qui a créé les calculs. Donc, moi je vais me fier à l'exactitude de ces calculs. Alléluia. Parce que là, je vais être visité au moment opportun. Alléluia. C'était tout ce que j'avais à vous exhorter ce matin. Que le Seigneur vous fortifie. Que la parole de Dieu vous fortifie. Que vous puissiez demeurer dans l'amour du Seigneur. Que rien, Paul lui dit aux Romains, il dit ce matin, à nous, à Billy Châtillon, que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Que rien, ni la hauteur. Faut pas avoir peur de la hauteur. Parce qu'il est, oui, il est plus haut. Si c'est la hauteur qui se présente devant toi, mais lui, il va te faire monter encore. Plus haut que la hauteur au ciel. Si c'est la profondeur des douleurs qui te font peur, mais lui, il est allé jusque dans la profondeur de la terre. Si c'est la largeur qui te fait peur, mais c'est lui qui est à la surface de tout, il est au contrôle de tout. Donc rien ne puisse te séparer de l'amour du Seigneur. Que rien ne puisse te décourager, le découragement, c'est ça le mot. Tu te décourages, mais le Seigneur est là. Quand Marie va dire au Seigneur, mais Seigneur, si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort. Mais le Seigneur, il était déjà là. Mais le Seigneur, il était là. C'était question seulement que tu passes aussi à une autre étape. Tu vois aussi la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous demander de vous lever.